Bonjour tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux. Moi je vais garder un peu mes notes parce que c'est la première fois que je parle à autant de personnes à la fois. Donc effectivement, moi j'ai une formation d'art graphique et j'ai découvert la création de sites web en fin de cursus, donc à la fin des années 90, avec les outils de l'époque. C'est-à-dire nous on a été initiés à Dreamweaver, à Flash, en même temps que les outils PAO qu'il y avait à l'époque, Photoshop, qu'il y a toujours d'ailleurs, Illustrator, etc. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu dans la création de sites, c'était partir de concepts graphiques, avoir ces petites idées de design, et après en faire un outil interactif, c'est-à-dire pas rester juste sur la créa, mais après mettre les mains dans le cambouis et construire l'outil. Alors donc aujourd'hui, moi je fais essentiellement des thèmes WordPress sur mesure, mais j'ai pas du tout commencé par ça évidemment. Au début, je maîtrisais pas très bien ces outils justement HTML, c'était compliqué, la compatibilité avec les navigateurs. Donc j'ai fait beaucoup de sites Flash, parce que c'était plus simple. Je faisais essentiellement des sites statiques en HTML, sans back-office, sans rien, avec tant de pages HTML par site. Et de temps en temps, quand j'avais les demandes de back-office, j'étais obligé de travailler avec des développeurs. Et j'en profitais aussi pour leur demander de faire l'intégration, la découpe, pour que je me concentre uniquement sur la création graphique. Mais pour retrouver moi ce qui me plaisait à l'école, en fait, savoir construire ces petites pages, je me suis dit, il faut que j'apprenne. Donc je me suis mis à apprendre HTML et CSS sérieusement. Et puis aujourd'hui, je code à la main. Voilà. Comme un grand. Et quelques années plus tard, j'ai découvert WordPress et là j'ai découvert qu'il y avait une nouvelle notion, en fait, en plus du design graphique, c'était la notion de contenu qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il fallait gérer du contenu sur le site, que ce n'était pas fait comme avant les sites statiques où on avait tant de pages, on faisait ses petits calages, mais que là que le contenu allait changer tout le temps. Donc tout ça pour dire qu'au fil des années, j'ai pris conscience que la création d'un site web, c'était beaucoup plus compliqué que le réduire à création d'un côté et développement de l'autre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je me disais, ouais, il y a les créatifs, puis il y a les techniciens. Et en fait, créatif, ce n'est pas un métier. Créatif, c'est un adjectif déjà, et c'est pour qualifier quelqu'un qui fait preuve de création. Donc un graphiste peut être créatif, il peut très bien ne pas l'être non plus, et un développeur peut être créatif. Un intégrateur, quelqu'un qui va faire du HTML peut aussi être créatif. Donc, tout le monde peut être créatif et apporter une expertise dans un projet de design qui va contribuer au bon déroulement de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'avec cette conférence, je voulais vous présenter mon approche du design et donner quelques pistes après pour réussir le design de son site. Alors, quand on dit design, on pense souvent à l'aspect visuel des choses, à l'aspect graphique. On dit, ouais, ton truc, c'est un beau design. Alors en fait, le design, en anglais, ça veut dire dessin, mais pas dessin avec un crayon. C'est dessin dans le sens l'intention, la conception, l'intention. Donc en fait, le design, c'est beaucoup plus global que ça. C'est pas juste le graphisme. Le design, c'est répondre à un besoin, déjà, résoudre des problèmes, apporter des solutions pour créer, en fait, un outil qui va être performant, qu'on va avoir plaisir à utiliser et qui sera fonctionnel. Donc voilà. Donc là, ça fait un moment qu'il y a l'œuf. Vous devez vous demander pourquoi il y a l'œuf. Donc ça n'a rien à voir avec ma coiffure. Mais c'est parce que, comme le dit très bien Michel Tournier, comme le disait bien Michel Tournier, l'œuf, c'est pour moi et pour tout le monde un chef-d'œuvre de design. Pourquoi ? Et parce que l'œuf, c'est une forme. Donc c'est un aspect graphique épuré, c'est rond, c'est hyper simple, on ne peut pas faire plus simple. En même temps, la forme, elle a une très bonne résistance à la pression, elle permet d'avoir une bonne isolation thermique de ce qui est à l'intérieur. La coquille est solide, même si c'est relatif, la matière est solide. Et quand ça tombe, ça roule en cercle pour ne pas partir à 100 mètres. Donc tout ça, toutes ces fonctionnalités,
ont un objectif, c'est protéger ce qui est à l'intérieur. Donc pour moi, l'œuf, c'est vraiment un bon exemple et une bonne entrée en matière pour parler du design, parce que ça combine une forme et une fonction. Et les deux vont bien ensemble. Ensuite, ça n'empêche pas de personnaliser un peu l'aspect extérieur pour en faire quelque chose d'encore plus sympa. Donc le fond et la forme, important. Je vais commencer par un petit exemple. Donc, moi, dans les années 2000, j'avais deux copains journalistes et on avait l'idée de monter un journal. Un petit journal comme ça, sans prétention. Mais il y a un des deux journalistes qui était opposé à l'idée de créer un logo et de travailler la mise en page du journal, de faire un truc joli et sympa. Parce que d'après lui, en fait, ça aurait nui au fond. C'est-à-dire que les gens seraient arrêtés un peu à l'aspect visuel en disant « ouais, c'est sympa, c'est branché, c'est à la mode, machin ». Et ils n'auraient pas lu, si vous voulez, les articles. Donc, moi, je trouvais que c'était pas une bonne raison. On n'a pas fait ce projet. Mais j'ai un contre-exemple. C'est que peut-être que certains d'entre vous connaissent cette collection de bouquins sur le web design. C'est sur des sujets très précis, c'est généralement assez court, c'est bien écrit par des professionnels. Et en plus, je trouve que ça donne vraiment envie de les lire. On a envie de les lire, de les collectionner. Je trouve les couvertures sympas, on se dit ah, j'aimerais bien avoir le rose, je ne l'ai pas, tout ça. Et en plus, à l'intérieur, c'est sympa, la mise en page est bien claire et ça se lit tout seul. Donc pour moi, ça c'est un bon exemple de fond qui est bien servi par sa forme. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Mince, pardon. Pour un site WordPress, bah, en fait, c'est exactement pareil. On ne va pas pouvoir résumer le design au thème graphique. Donc, le design, ça ne va pas être juste l'aspect visuel du site, mais ça va être en fait toute la conception de notre outil. Voilà, on veut que le site il soit utile et qu'il soit bien fonctionnel. On peut faire un truc qui est très beau graphiquement, mais si derrière on n'arrive pas à naviguer dedans, on ne sait pas comment sont rangés les contenus, ou on ne comprend pas trop le but du truc, on va dire waouh, c'est vrai que c'est joli, mais peut-être qu'on ne reviendra pas. Donc voilà. Premier impératif dans notre projet de design et de notre projet de création de site, ça va être de savoir de quoi on veut parler et aussi à qui on veut parler. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire ouais, moi j'ai des concepts graphiques dans la tête, là j'ai envie de vous proposer un site one page avec une vidéo d'arrière-plan, ensuite on imagine qu'il y aurait un carrousel avec des photos, etc. Et puis une petite phrase d'introduction. Si le contenu finalement du client n'est pas en phase avec ça, j'ai pas de vidéo, moi j'ai pas de photos, et puis moi j'ai une tonne de texte à mettre, bah, le concept graphique il va pas tenir. Et surtout, c'est important de savoir à qui on veut parler. Parce que j'ai un exemple, moi on m'a consulté il y a un petit moment, il y a un an et demi, une agence qui faisait des formations professionnelles spécialisées. Donc je me dis, ok, j'identifie bien la cible, forcément des gens en recherche d'emploi, en recherche de formation pour trouver du travail. Et puis le client, bah, qu'est-ce qu'il doit vouloir faire? À mon avis, il veut pouvoir montrer la liste de toutes ses formations. Détailler les plannings, peut-être, les modalités d'inscription, les tarifs, pourquoi pas, mettre des formulaires pour s'inscrire. Et en fait, pas du tout. Au terme du rendez-vous, je me suis retrouvé face à des gens qui étaient obsédés en fait, par leur identité personnelle. C'est-à-dire qu'ils savaient bien sûr qu'ils avaient des formations, mais ils ne savaient pas dire lesquelles, ils ne savaient pas dire comment ils voulaient les présenter. Par contre, ce qui était très important pour eux, c'était de faire un site original, qui ne ressemblait pas à la concurrence, et qui montrait bien que eux, c'était des gens qui s'investissaient dans l'humanitaire, et qui étaient très axés photos, avec des belles photos plein écran, etc. Donc j'ai vraiment pas compris leur demande, et pour moi, là, il y avait un vrai malentendu, en fait, entre eh ben leur cible, la cible de leur business, et ce qu'ils voulaient dire d'eux-mêmes, quoi. Les gens n'allaient pas venir sur leur site pour se dire « Ah ouais, je vais venir ici parce que j'aime bien votre identité ». Donc bien connaître le sujet. Et son sujet, une fois qu'on le connaît, c'est important aussi de se poser la question « Comment je vais en parler ?» Parce qu'on peut en parler de plusieurs manières différentes. Faut pas oublier qu'on va s'adresser à des gens, donc des humains, et nous aussi on est des gens. Donc on a un outil informatique certes, mais on aimerait bien faire passer un peu d'émotion pour être en phase avec les gens et les intéresser. Par contre, par exemple, si on fait une présentation un peu théorique,
on peut très bien décider de l'illustrer avec des images un peu décalées ou complètement absurdes. Ça peut provoquer une réaction, et puis ça peut contrebalancer un peu un côté plan-plan. Et surtout, le ton, ça peut donner des pistes graphiques pour ce qui va venir après, toute l'étape du design graphique. Donc maintenant qu'on a vu un peu de théorie, je vais vous proposer de vous présenter un process de design un peu idéal pour moi et qu'on voit comment aborder du coup la création d'un site. Alors, on limite parfois la création d'un site web à trois étapes en gros. C'est-à-dire que moi, il y a des agences de com avec qui j'ai bossé qui ont à peu près ce process. C'est-à-dire qu'ils vont se réunir entre créatifs, chefs de projet, et ils vont se dire, voilà, on va concevoir les maquettes de votre site. On va dire, ouais, c'est ça qu'il faut faire, etc. Les maquettes, une fois qu'elles sont faites, ils vont les envoyer à leur client pour qu'il les valide. Et ensuite, le client, quand il est content, il leur dit, ok, vous pouvez y aller. Et eux, ils prennent leur travail et ils envoient tout ça au développeur. Alors le développeur, voilà, c'est censé être un homme ou une femme à tout faire, qui va se récupérer des maquettes et devoir faire le site. Alors qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il n'y a pas un développeur, il développe, mais il ne fait pas forcément tout le reste. Il y a plusieurs expertises qui vont rentrer en ligne de compte. Donc moi, je vais vous proposer d'essayer de travailler différemment que cette méthode un peu ancienne. Alors, sans rentrer dans tous les détails de la conception d'un cahier des charges, même du côté de l'aspect commercial et tout, je vais me concentrer, je vais rassembler tout ça en fait sur l'étape que j'appelle maquette fonctionnelle. Où en fait, à ce stade, moi, je vais vous proposer de réunir toute l'équipe, mais alors tous les intervenants. Donc pas juste le chef de projet, pas juste le chef tout court, pas juste le graphiste ou le directeur artistique, mais tout le monde, c'est-à-dire le web designer, le développeur et éventuellement l'équipe technique qui est en charge, je sais pas, de toute l'expertise en hébergement, etc. Tout le monde. Pourquoi tout le monde? Parce que c'est important d'élaborer le projet en profitant de l'expertise de chacun. C'est-à-dire qu'un graphiste, il ne va pas avoir la même expertise qu'un web designer qui, lui, a une bonne connaissance du HTML. C'est pareil, il faut aussi profiter de l'expertise du développeur qui va savoir coder le thème, faire des requêtes, quelque chose d'optimiser, etc. Donc, c'est super important parce que tout le monde va être responsable du projet et aura un rôle à jouer et quelque chose à dire pour faire les choses tout simplement de manière fluide. Non, c'est pas ça. Alors, les maquettes fonctionnelles, on peut les faire avec des outils comme ça, par exemple, c'est Balsamic Mockup, qui permet de faire des petits schémas. Les maquettes fonctionnelles vont nous servir à placer les éléments de contenu qu'on aura identifiés lors de l'élaboration du cahier des charges, de manière super simple, sans du tout penser à l'aspect design graphique. Donc, ça nous permet de dire, là, il y aura le logo, évidemment, le menu, ici, on va mettre tel truc. Donc on peut utiliser des outils comme ça, ou plus simplement du papier et des crayons. Ça marche aussi, après ça dépend de la taille de l'équipe et de la manière dont vous voulez échanger entre chaque membre. Pendant cette première phase, on va essayer d'appliquer un principe, en tout cas, qui va être une page, une fonction. C'est-à-dire qu'on va se dire, ouais, là il y aura une page qui va décrire le projet. Ce qu'on veut, c'est que les gens ils viennent là et puis ils puissent lire le texte qui va décrire le projet. Plus il va y avoir d'informations autres sur cette page, et plus ça va être difficile de capter l'attention de quelqu'un sur ce qu'on a envie de lui dire. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on va lui dire « Ok, donc là, on va lui décrire le projet, mais ce serait bien qu'il nous laisse son email. Ce serait bien aussi qu'il voit qu'on fait du blog, donc qu'on lui met qu'on fait des articles, et puis qu'on sélectionne des vidéos une fois par mois. Donc tout ça. Mais ça, tout ça, c'est des portes de sortie. C'est-à-dire que quelqu'un qui va arriver là, et finalement, il n'aura peut-être pas fini de lire le descriptif, que déjà, il va cliquer sur la vidéo et voir un chat qui se casse la gueule, un truc qui n'a rien à voir avec le projet. Donc en fait, est-ce que ce n'est pas plus intéressant de faire quelque chose comme ça, où là, au moins, c'est clair et net, l'utilisateur est venu ici pour avoir une information, on lui donne, et il n'y a pas de porte de sortie. Donc, tout ça, excusez-moi, toutes ces maquettes fonctionnelles, ça va nous permettre, une fois qu'on aura bien défini, un peu identifié chaque partie du site, ça va nous permettre de préparer l'étape d'après qui va être la création graphique.
Donc la création graphique, ça va être toute l'équipe de la direction artistique, les graphistes, qui vont créer la charte graphique du site, c'est-à-dire créer un logo, établir des rapports typographiques, des rapports couleurs, des éléments d'interface et designer tous ces petits éléments. Et après, ils vont les regrouper comme des bibliothèques. Par exemple, ça peut se présenter comme ça. On peut avoir une bibliothèque où on va avoir le logo, on va avoir tous les choix typos pour, le titrage et le corps du texte, avec les variantes, les boutons. On va styler aussi les listes, les citations. Là, c'est simple, on peut faire des planches très très compliquées, si ça dépend de l'ampleur du projet. On peut aussi avoir, évidemment, prévoir de styler tous les éléments de formulaire pour leur donner un look cohérent à travers le site, les pictogrammes, établir les références couleurs. Tout ça, c'est des bibliothèques qui vont nous permettre de créer, en fait, tous les éléments du site et toutes les pages. On n'aura pas à réfléchir. Et ça va nous permettre d'appliquer un principe qui est connu dans le monde du développement et qui s'appelle le DRY, qui veut dire D-R-Y, qui veut dire « Don't repeat yourself ». Parce que là, en fait, on ne va pas réinventer la roue à chaque page, à chaque maquette où il faudra créer un formulaire. On aura déjà tous les éléments. Il suffira d'aller piocher et de composer. Par exemple, on va nous demander de créer un widget d'inscription newsletter. Il n'y aura pas à réfléchir. On aura déjà tous les rapports typographiques, les niveaux de titre, les champs input et les boutons. Ça va éviter, en fait, dans le design, de créer des exceptions qui vont alourdir peut-être le code HTML, devenir plus compliqué à maintenir, et puis tout simplement qui vont complexifier la charte graphique. Donc si on veut rester en cohérence, c'est super important. Et dernier truc important dans cette phase de création graphique, c'est qu'une fois qu'on a fait nos petites bibliothèques, que le client est content, que tout le monde est content de son travail, on prend tout ça et on va voir le collègue web designer, c'est-à-dire celui qui va s'occuper de créer les maquettes du site et qui va s'occuper de créer les pages HTML. On va lui montrer, on va lui dire « Est-ce que tu as une objection, en gros ?» Dire « Regarde, voilà, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça va être faisable ? Est-ce que là, c'est galère ?» De temps en temps, pour les éléments de formulaire, il y a des styles qui sont très compliqués à rendre en CSS, etc. Donc lui, il va vous dire « Non, écoute, moi, je vois pas de problème particulier, donc c'est bon, go !» Et une fois qu'on a ça, on est rassuré, et puis on va pouvoir passer à la création de nos maquettes visuelles. Donc le web design. Le web design, pour moi, c'est la création donc, des maquettes visuelles, donc des pages du site, la partie visible en fait par le visiteur. Pourquoi ce n'est pas forcément le graphiste qui s'occupe de ça ? Ça peut être le graphiste, parce qu'en fait, il faut, à mon sens, c'est assez important d'avoir des compétences, ou au moins des notions de HTML, de comment se comportent les éléments dans une page web, pour s'occuper de la création de maquettes. Donc, les maquettes elles vont être réalisées évidemment avec l'équipe de direction artistique. Hein, il n'est pas question de cliver complètement, mais voilà, on n'a pas besoin de forcément passer par un outil PAO comme Photoshop ou Illustrator. Si le web designer c'est celui qui va coder le thème en HTML, il peut très bien aussi à partir des bibliothèques commencer à faire ses maquettes directement dans un éditeur de code et voir le résultat dans le navigateur immédiatement. Alors le plus important dans cette partie, c'est que si on décide quand même, parce que ça arrive, de faire des maquettes dans Photoshop ou dans un autre outil graphique, c'est surtout de ne pas faire des maquettes de toutes les pages du site. Parce que c'est inutile, ça demande du temps, ça va demander plus de validation du côté client. Et en fait, une maquette par template, ça va suffire. Un template, c'est un modèle de page. C'est des modèles qui sont gérés par WordPress. Par exemple, on a le modèle page qui va afficher toutes les pages. Et nous, si dans notre site, on a une page présentation qui aura trois sous-rubriques, par exemple le président, l'équipe, nos valeurs, etc. Inutile de faire 5 maquettes, une seule suffit. Après, on imagine que le contenu, il va changer en fonction de la page. Et du coup, ne faire qu'une page, ça va permettre aussi de ne pas travailler le wording dans la maquette pendant cette phase-là. Parce que ça, c'est aussi très chronophage. C'est-à-dire que le client, s'il voit votre maquette et qu'il dit « Ouais, mais là, ce n'est pas le bon titre. Puis là, le texte, c'est du latin, ce ne sera pas ça. » Et en fait, après, on va perdre du temps à valider du contenu
qui en fait a pas besoin d'être, on n'a pas besoin de s'en occuper tout de suite, puisqu'il sera intégré directement via WordPress. Une fois que le thème sera en ligne, on pourra saisir les contenus, envoyer les images et puis faire des corrections de manière beaucoup plus rapide. Quelques petits conseils, toujours pour les graphistes qui voudraient travailler dans Photoshop ou dans des outils comme ça, c'est utiliser une grille de mise en page. Moi, je reçois beaucoup de maquettes où c'est posé un peu n'importe comment. Ça peut être sympa pour gérer déjà les proportions de ces éléments et surtout de comprendre un peu comment peuvent se placer les éléments dans une page. Donc on peut utiliser un gabarit Photoshop avec des repères, ou si on code directement dans le navigateur, on peut télécharger, il y en a plein, des grilles CSS qui permettent de gérer du colonnage, et puis comme ça de commencer à composer ses pages en profitant des colonnes. Quand on travaille encore dans Photoshop, on essaye de penser qu'il y aura peut-être quelqu'un qui va ouvrir les fichiers derrière. Donc ce qu'il faut éviter, c'est de fournir des fichiers avec des palettes de calques qui ressemblent un peu à celles de gauche, où tout est mis un peu n'importe comment, les calques ne sont pas nommés et rien n'est regroupé. C'est pas plus cher et c'est à peine plus long de créer en fait des répertoires pour bien identifier les différentes parties de la maquette, en tête, navigation, contenu, pied de page, arrière-plan, voilà. Ça, la personne qui ouvre votre fichier, tout de suite il vous aime, il dit « Ah, c'est bien ». Il me facilite le travail, je vais pouvoir repérer vraiment rapidement où sont placées les choses. De la même manière, on va éviter d'utiliser des outils qui ne sont pas forcément adaptés au web design, comme InDesign. InDesign, c'est bien pour la mise en page, moi je l'utilise quasiment tout le temps, mais jamais pour du web. Jamais, parce que c'est difficile d'extraire les éléments, on n'a pas vraiment les mêmes rapports de proportion, et de toute façon, on va être obligé d'extraire les éléments dans un autre logiciel pour ensuite les préparer pour son thème WordPress. Donc, voilà. Et pas de PowerPoint non plus. La dernière recommandation, quand on fait ces maquettes visuelles, c'est qu'il faut penser CMS. Penser CMS, c'est-à-dire qu'on a WordPress derrière, qui va nous gérer du contenu. Donc nos maquettes, c'est plus à l'époque où je faisais, moi, des pages HTML, et puis si là, il n'y avait pas assez de place, je réduisais la typo. Comme en print, en fait, on essaye de faire rentrer du contenu sur une page A4, et puis si ça ne tient pas, on tasse. Donc ça ne marchera pas avec WordPress. Parce que le client, il va pouvoir saisir, un titre qui fait 4 lignes, ou un édito qui fait 3 pages, alors que vous aviez prévu un paragraphe. Donc, il faut toujours penser que ça peut bouger. Par exemple, on peut décider de faire un site un peu dans ce genre-là, où on aurait un beau diaporama, et ensuite afficher ces articles récents en dessous, sous forme de petites grilles toutes mignonnes, avec l'image à la une, et puis le titre en dessous. Sauf que ça, dans la vraie vie, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher parce qu'après, le client, une fois qu'il aura saisi ses contenus, ça va plutôt ressembler à ça. Donc, les titres sont trop longs, donc ça va chasser les blocs, ça ne fera pas le même effet. Donc ça, il faut y être préparé. Et pareil, un diaporama comme ça, qui est en pleine largeur, il faut s'assurer au préalable que on aura des images panoramiques à mettre dedans. Parce que moi, ça, c'est un truc qui m'est arrivé. J'avais proposé un beau slider là, sur la homepage d'un client. Il avait dit « Ah ouais, c'est bien !» Et puis c'était une fausse image. Et au final, lui, il n'avait que des verticales. Et donc on s'est dit « Ah zut, qu'est-ce qu'on fait ?» Eh bien, on a fait autre chose. Donc voilà, même logique, ici on a une maquette encore plus compliquée, toujours très très bien contrôlée, assez très jolie parce que ça marche, parce qu'avec le Rem Ipsum ça marche bien, ça marche plutôt bien. Mais en fait, dans la vraie vie c'est pareil, ça va dépasser, donc l'image elle sera un peu plus cachée, surtout si après on veut mettre des liens en savoir plus, qui prennent encore un peu plus de place. Et notre petite colonne, là, qui était toute jolie pour afficher les 4 derniers posts, et en fait, avec du vrai texte, elle va peut-être dépasser. Et donc voilà. Donc il faut éviter de créer des designs fermés et penser que le contenu, c'est quelque chose de fluide et qu'il faut que ça puisse s'adapter en fonction de la densité. Voilà. Une fois satisfait de nos maquettes,
voilà, nos super maquettes. Et ben, c'est pareil, on va tout reprendre et on va aller voir notre collègue, l'intégrateur, qui va se faire le HTML derrière, et le développeur aussi, histoire de dire qu'ils nous disent s'ils ne voient pas un problème, surtout si nous, on est un graphiste qui a pas du tout, qui touche jamais, qui ne veut pas toucher au HTML parce que c'est sale. Ça peut être intéressant d'avoir son point de vue, qui nous disent, ouais, mais non, là, ton blog, voilà, pense au contenu, pense au truc, d'avoir son avis. Et pareil, on peut aussi éviter après d'être coincé par une demande, quelque chose qu'on aura fait valider au client, et qu'au final, après, on va galérer à faire. Par exemple, on peut aller voir le développeur et lui dire, tu vois, sur la page produit, là, j'aimerais bien que le produit, en fait, ce soit un truc à 360 degrés qu'on puisse faire tourner, puisqu'il a des objets sympas. Et donc là, peut-être que le développeur va dire, ça, je sais pas le faire. Donc il faut soit que je cherche, ça va prendre du temps. Et en plus, on n'avait pas prévu dans les maquettes fonctionnelles. Et donc, ça va faire du temps en plus et des sous en plus. Donc comme ça, on n'est pas coincé par un client qui va être emballé par une rotation 360 alors que c'est ni budgété, ni dans nos compétences. Tchoc. Bon, ça avance bien, le projet avance bien. On a un truc qui est beau. Maintenant, est-ce que c'est pratique? Est-ce que c'est utilisable? Et est-ce que les gens vont trouver ça pratique, agréable à utiliser, pertinent? Donc là, il y a tellement de recommandations que moi, je vais en faire juste quelques-unes. Mais voilà quelques conseils. Et surtout, le plus important pour moi, pour beaucoup de gens, ça va être de limiter le nombre de clics pour arriver à une information. C'est-à-dire, quand on crée ses maquettes, il faut penser que les gens, en un clic, ils veulent avoir le résultat. Donc ça, c'est un exemple auquel j'ai été confronté. C'est, on avait un site qui proposait des fiches pratiques et il voulait les classer comme ça. On ne pouvait pas cliquer sur fiches pratiques. On ne pouvait que le survoler. Ça nous déroulait un petit menu qui nous présentait les catégories de fiches pratiques qu'on était obligé de choisir. Donc je choisissais ma catégorie. Et j'arrivais sur une page qui me listait les sous-catégories de fiches pratiques. Donc j'étais obligé de choisir une sous-catégorie. Et enfin, j'avais ma liste d'articles. Voilà, où je pouvais changer de sous-catégorie si je voulais, mais pas de catégorie. Ça, il fallait repasser par le menu principal. Donc ça, c'est juste un cauchemar ergonomique. Parce que 3 clics pour arriver à une liste d'articles, c'est beaucoup trop. C'est 2 de trop. En fait, on peut faire beaucoup plus simple. La base, c'est on clique sur fiches pratiques, on affiche la liste complète. Par ordre de la plus récente à la plus ancienne, et un menu latéral complet pour filtrer ce qu'on a envie de filtrer. Mais là, le problème, c'est que le client, il n'a pas pensé à l'utilisateur, il pensait à montrer ce qu'il avait en boutique. Et ça, les gens, ils n'ont pas besoin de savoir tout ce qu'il y a dans la boutique, parce que généralement, ils cherchent une seule chose. Donc, le plus rapidement ils arrivent à l'information, et le mieux ce sera. Un autre élément qui peut être un petit peu touchy, c'est le carousel ou le slider, c'est pareil. Le slider, c'est le grand diaporama qui affiche un élément. Le carousel, c'est pareil, sauf qu'il va afficher plusieurs éléments. C'est bien, ces trucs-là, quand il n'y a pas beaucoup d'éléments dedans. S'il y en a trop, ça devient vite inutilisable et puis on ne va jamais jusqu'au bout de toute façon, parce que personne ne clique pour aller jusqu'au bout. Et pour illustrer ça, moi, une fois, sur un projet, c'est pas qu'on me l'a demandé, mais j'ai proposé un petit carousel pour l'équipe. Il y avait 6 personnes. Donc on a fait à peu près comme ça. En 2 clics, on avait vu tout le monde. Puis il y avait une petite bio en dessous. Voilà. Ça marchait bien. Mais sauf qu'une fois, dans son WordPress, le client il dit, on peut rajouter du monde. Donc c'est bien ça. Et en fait, pourquoi on mettrait que l'équipe de Paris? On va mettre toute la France. Il y avait 110 personnes à la fin. 110 slides. Et donc c'est devenu inutilisable. Et puis du coup, ça ne servait plus à rien. Donc je dis, mais... on n'a pas fait ça pour 100 personnes, sinon on aurait fait autre chose. Là, ça ne sert à rien. Donc voilà, il faut faire attention à ça et être vraiment certain qu'il n'y aura pas trop d'éléments. Un autre truc super populaire, la Lightbox, c'est ces petites fenêtres modales là, qui viennent se superposer au site. À l'origine, ça a été créé pour les galeries photos. C'était vachement sympa parce qu'on avait une série de vignettes et en cliquant dessus, on avait la grande image en superposition. J'étais fasciné par ce truc la première fois que je l'ai vu, je trouvais ça génial. Et après, on l'a vu à peu près à toutes les sauces, pour faire des petites boîtes d'alerte, attention, vous allez quitter la page, ou après, pour un peu plus désagréable, pour des pubs, ou des invitations pour s'inscrire sur une page Facebook, ou ce genre de truc.
Et ça devient catastrophique quand on essaye de charger là-dedans tout un contenu, c'est-à-dire un titre, des fois des images, des vidéos, parce que ça va, si c'est trop long, ça va générer des barres de scroll. Et alors, scroller là-dedans, des fois, il y a des conflits avec le scroll de la page, et c'est vraiment pas pratique, quoi. Donc ça, pareil, les lightbox, c'est très bien, mais faut pas mettre trop de trucs dedans. Dernière reco sur l'ergonomie, c'est les effets de survol, donc les effets de hover. Donc c'est quand on passe la souris au-dessus d'un élément et qu'il y a une petite action qui se déclenche, un menu qui s'ouvre ou autre chose. Donc ça, c'est sympa, mais aujourd'hui, ça devient un peu délicat parce qu'il y a beaucoup quand même d'écrans tactiles. Et sur le tactile, ça ne marche pas très bien. Ça ne marche pas très bien parce qu'on est obligé de toucher. On est obligé de toucher l'écran et donc du coup, ça déclenche l'effet de survol, mais pour déclencher le clic, il faut retaper une deuxième fois. Et puis en dehors de ça, des fois sur des menus où on doit survoler un élément pour afficher un sous-menu, il arrive que ce soit pas très bien calé ou que si on va trop vite, ça se referme et il faut recommencer. Et il y en a qui sont assez mal faits. Donc il faut vraiment penser aux effets de survol avec parcimonie, peut-être juste pour de la déco, pour des effets décoratifs, ou alors les limiter aux grands écrans. Comme ça, on va exclure d'emblée les téléphones déjà, certaines tablettes, et on sera un peu plus tranquille. Donc ce qui m'amène à l'autre partie. Aujourd'hui, le web mobile, c'est assez énorme. Il y a beaucoup de consultations sur des téléphones, sur des tablettes. Donc nous, évidemment, on veut que notre site il soit responsive. On veut que son design s'adapte sur un petit écran et que ce soit toujours aussi agréable de l'utiliser. Donc si on veut que notre site soit responsive, il faut y penser dès le départ. Dès les phases de réflexion, dès les premières maquettes en création, on va se demander comment notre design va réagir quand il y a moins d'espace. C'est différent, si on veut faire une version mobile, c'est pas le même principe, on peut la reporter à plus tard parce que c'est un deuxième site. Le responsive, ça va être le même site. On va avoir les mêmes éléments, les mêmes pages et le même contenu. Donc on est vraiment obligé de s'en occuper dès le départ. Donc on va essayer d'imaginer comment notre création elle va se comporter si l'utilisateur a un écran tout petit ou alors très très grand. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas travailler son graphisme sur des écrans 27 pouces, 4K par exemple. Parce que c'est beaucoup trop grand et ce n'est pas du tout représentatif en fait, du parc. C'est-à-dire les gens, généralement, la résolution la plus courante, c'est 1300 par 700. En gros, c'est les petits laptops, quoi. Et donc, si on bosse sa création que sur un 27 pouces, on la fait pour soi, mais on ne la fait pas pour les autres. Par exemple, ça, c'est pas moi qui l'avais fait, mais un graphiste m'avait envoyé cette maquette. C'était pas celle-là, ça ressemblait à ça. On avait un beau slider avec un call to action pour participer à un concours, etc. Et puis en dessous, on avait le contenu qui se déroulait. Alors sur un grand écran, ça passait à peu près, parce qu'on voyait au moins le début. On voyait qu'il y avait du contenu en dessous. Après, je me suis dit, ça, sur un petit écran, ça va coincer, c'est sûr. Et donc, effectivement, ça coinçait, mais c'était encore pas trop grave. On voyait plus le bouton, mais ça, on aurait pu le remonter. Et ce qu'il y avait de beaucoup plus grave sur ce cas-là, c'est que, en fait, il avait décidé que ce slider, il était beau, alors il fallait le mettre partout. Et donc là, en changeant de page, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas changé. C'est accueil, association. Et en fait, on n'avait pas l'impression de changer de page. Donc ça, c'est une erreur dramatique, parce qu'il ne s'est pas posé la question de est-ce que mon contenu n'est pas trop bas? Le contenu intéressant, il doit être le plus haut possible dans la page. Et deuxième point, il n'a pas appliqué le principe une page, une fonction. Parce que ce slider, c'est bien sur l'accueil, ok, mais là, il n'a rien à faire là. Là, on a juste envie de savoir quelle est cette association qui s'occupe des mustélidés. Voilà. Du coup, mobile first, est-ce que ça ne vaut pas le coup de travailler ses concepts graphiques et son design en pensant petit d'abord et en pratiquant après l'amélioration progressive? C'est-à-dire comme ça, ça peut nous forcer à se focaliser sur l'essentiel et se dire, là j'ai l'écran qui devient de plus en plus grand, je vais pouvoir augmenter mes marges, augmenter un peu le corps de typo, etc., rajouter de la déco. Et ça, voilà, ça va permettre de se focaliser donc sur l'essentiel et de penser aussi à l'adaptabilité des effets qu'on veut apporter au site. Par exemple, est-ce que
mon scroll one page, il va bien marcher sur un mobile? Est-ce que mon carousel, ça ne va pas être galère? Est-ce qu'il est bien compatible avec, avec le toucher, avec, avec les gestes? Donc voilà. Est-ce que j'ai des alternatives sur les lightbox? Parce que sur téléphone, ce n'est vraiment pas le top. Je vais aller vite là-dessus parce que y a des spécialistes au WordCamp ici sur l'accessibilité, la performance. Mais au niveau de l'intégration, une fois que tout est quasiment terminé, c'est pas mal de tester son code HTML sur différents navigateurs et si possible sur différents systèmes et sur différents ordi, terminaux, voilà, téléphone, etc. On peut utiliser aussi les validateurs pour voir si on n'a pas fait une bêtise à un moment, ou s'il n'y a pas ne serait-ce qu'une simple coquille, il manque un point virgule dans un fichier CSS, etc. Donc ça, c'est pas mal. L'accessibilité, c'est essayer de penser dès le départ, autant que possible, que notre site, il faut qu'il soit aussi accessible aux personnes handicapées. Donc ça, demain matin, il y a une conférence de Claire là-dessus, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, mais je vous conseille d'y aller, elle vous expliquera vraiment. C'est pas grand-chose, mais c'est bien de le prévoir en amont, parce que voilà, c'est utile à plus de gens qu'on pense. Et les performances, qu'est-ce que c'est les performances? C'est tout simplement d'avoir un site qui est rapide, dont les pages se chargent vite. Et ça, il y a beaucoup de méthodes pour optimiser. Mais dans son design, on peut déjà essayer d'intégrer cette contrainte en se disant, là j'ai mis une image super grande, est-ce qu'elle ne va pas être trop lourde? Moi j'ai vu des fois passer des images de 3-4 mégas juste pour faire l'entête d'un site, parce qu'on voulait que ce soit super quali et tout. Donc ça, c'est peut-être un peu beaucoup. Si on a beaucoup d'images aussi, prévoir des alternatives, des chargements différés, des trucs comme ça, pour que, en fait, au final, notre outil il soit performant et rapide. Enfin, avant de terminer, cadrer votre projet, parce qu'en fait, les designers, c'est vous. Donc les designers, c'est vous, les graphistes, les intégrateurs, les développeurs. Et tout ça, c'est du travail. Vous êtes une équipe de spécialistes à qui un commanditaire a fait appel. Et donc, il ne faut pas laisser votre projet être déconstruit à la fin, alors que vous y avez passé du temps, vous y avez vraiment réfléchi, et qu'il y a eu des validations derrière. Ça arrive que des fois, des clients ils aient des demandes un peu extravagantes, comme « c'est vrai que c'est sympa, mais j'aimerais bien pouvoir changer la typo, ou alors mettre une autre couleur sur ce titre. » Là, c'est à vous de dire « on ne peut pas faire ça, parce que ça va être hors charte. Donc, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle police, elle se charge automatiquement, c'est fait pour. C'est que, pour ne pas sortir des clous. » Ou alors, des fois, il y a des demandes de développement qui n'étaient pas prévues. « là, c'est bien votre calculateur, mais c'est que du mode texte. Moi, j'aimerais bien, finalement, que ça génère un petit graphique à côté. » Oui, mais ça, c'est pas le même travail et c'était pas prévu du tout. Donc, essayez de bien cadrer le truc pour pas se laisser déborder par des choses qui vont nuire à votre création et où vous rajoutez du travail qui n'est pas facturé, donc, qui n'était pas prévu. Et à ce titre-là, que vous soyez commanditaire ou prestataire, moi, j'aime beaucoup ce schéma parce que ça résume bien un peu l'équation temps, qualité, budget. Voilà. C'est vrai que si on veut quelque chose de qualité, etc., on va engager des experts et ça va coûter plus cher que si on n'a qu'une seule personne qui fait un peu tout, ou quelqu'un qui est mal payé, qui va du coup prendre son temps. Donc si vous restez dans cette salle, je crois que la conférence d'après, c'est un peu sur les budgets de sites. Il ne me reste plus qu'à terminer. Et donc, ma conclusion, ça va être que, comme je vous l'ai expliqué, le process d'un design, ce n'est pas uniquement création et développement. Le design, c'est pluridisciplinaire. Donc, c'est des développeurs, c'est des intégrateurs, c'est des gens qui connaissent le HTML, des gens qui sont bons à trouver du concept graphique, des directeurs artistiques. Il faut essayer de collaborer. Ça fait un peu cliché de dire ça, mais... dans l'équipe, il faut se parler. Donc c'est pour ça que dès le début, je disais, c'est important de se faire une réunion de projet tous ensemble et de court-circuiter personne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, comme moi j'avais tendance un peu à le faire au début, moi je suis graphiste, donc je fais mon art, et puis après, j'envoie ça aux développeurs, ils vont se débrouiller.
Donc ça, ce n'est pas la bonne approche parce que après, le développeur, il va se dire, ouais, le graphiste, il s'en fout de ce que je fais en fait, quoi. Il fait son art et après, il me l'envoie et puis je me débrouille. Alors quand... en fait, voilà, il faut essayer de trouver une dynamique un peu plus intelligente où on va respecter l'expertise des autres et accepter de recevoir des critiques ou même des conseils. Ce qu'on peut prendre pour des critiques sont en fait souvent que des conseils. Et ça peut permettre d'apprendre des choses, des expertises des autres pour après avancer différemment dans son job à soi. Et ne pas répéter les mêmes erreurs, comme par exemple tout à l'heure, le fait qu'en changeant de page, on ne se rendait pas compte qu'on changeait de page. Donc ça, je pense que le mec, il ne le fera plus la prochaine fois. Voilà. Et écoutez, j'espère que cette présentation vous aura intéressé. Et merci. Merci. Salut. Salut. Je voulais revenir sur le workflow que tu proposes. Ouais. Au début, parce que moi, dans mon agence, je suis intégratrice et j'ai essayé de mettre en place un workflow parce exactement le tien avec mes graphistes qui sont issus du print et un peu à l'ancienne. Ouais. Et ils m'ont pointé deux problèmes. C'est que déjà pour la validation client, à quel moment on peut montrer une maquette au client. Et deuxième problème, eux, ils ont besoin d'avoir toute une page en entière et de faire toute leur page avec le header, le footer, de voir l'ensemble pour pouvoir faire leur graphisme. Oui. Voilà. Moi je dirais que les paquettes fonctionnelles, si elles sont bien faites, ça suffit pour placer les éléments comme le header, le footer, le contenu. Après, c'est vrai que c'est délicat de dire à un client, voilà la charte graphique, votre logo, la typo, les couleurs, les icônes. On va faire les maquettes là-dessus. Des fois, ils ont quand même envie de voir ce que ça va donner. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu obligé, la plupart du temps, de passer par de la création de maquettes visuelles, via Photoshop ou autre, et pour les présenter aux clients. Après, l'idée, c'est de ne pas y passer un temps incalculable en intégrant les textes définitifs, etc., et en faisant toutes les variantes possibles. Moi, l'idée, c'est d'essayer de présenter des maquettes de template aux clients qui vont être dans sa charte, et d'essayer de faire passer ça comme ça. Le graphiste, il n'a pas besoin, de faire vraiment toutes les maquettes pour se rendre compte. Enfin, je pense qu'il faut essayer. Il faut essayer une autre méthode et voir si ça marche. Après, bon, ça ne conviendra pas à tout le monde. D'accord. Merci, je vais essayer de leur donner tes suppléments. Mais insiste, ouais, vas-y. Ok. Oui, bonjour. Bonjour. Nicolas, développeur front. Moi, j'avais une question, c'est nous à l'agence, souvent, le client a déjà choisi un thème. Et par rapport à tout ce que tu as dit sur le design, je voulais savoir comment ça se passe. Est-ce que le fait de choisir un thème, on squeeze complètement la phase design? Ça veut dire qu'on a on impose le design du thème. Ou est-ce que il y a un travail du UX ou de graphiste à faire par rapport au thème? Moi, je dirais que si tu choisis un thème premium ou un thème tout fait, il y a forcément un design et il y a une UX qui est rattachée, quoi. Donc, déconstruire un thème, ça ne sert à rien du coup de l'acheter. Pour moi, les thèmes gratuits ou les thèmes payants, c'est vachement bien quand justement on n'a pas envie de passer par cette étape de création graphique et de tous ces questionnements. Après, c'est dans le choix du thème qu'il va falloir se poser la question, est-ce que ce thème-là, il est vraiment adapté pour le contenu que je propose? Parce que des fois, on voit, vous voyez, dans les galeries de thèmes gratuits, il y a toujours dans les démos des super photos, très peu de texte, et ça donne envie de les acheter. Après, il faut imaginer que nous, derrière, on a des photos peut-être de moins bonne qualité, ou voire pas d'image. Donc là où il faut réfléchir, dans le cas de ce boulot avec des thèmes, c'est est-ce que ce thème-là, est-ce que mes contenus ils vont rentrer de manière harmonieuse là-dedans? Parce qu'après, tout ce qui est UX, on peut toujours un peu bricoler des thèmes, mais je pense que le plus gros est déjà fait, ouais. Parce qu'en général, il y a beaucoup de clients qui partent du principe que développer à partir d'un thème, c'est moins cher, et après de l'adapter, donc souvent, ils demandent beaucoup de modifications. Oui. Et souvent, on sort complètement du thème. C'est... Ouais. Et des fois, ça coûte aussi cher au final. Enfin, des fois, je trouve qu'il y a autant de boulot à customiser un thème. Enfin, moi, je le fais jamais, je dis ça, mais... que de le faire à zéro.
C'est vrai qu'on se dit, ouais, j'achète ce thème, et puis finalement, après, si on déconstruit tout et qu'on met des jours de dev ou de CSS pour en faire quelque chose d'autre, moi, j'arrive pas trop à voir l'intérêt. Sauf si, effectivement, au final, bah, c'est un tout petit peu moins cher pour le client, si c'est une question de prix, ouais. Mais moi, je travaille pas comme ça, donc... Okay, au niveau du choix du thème, est-ce qu'il faut privilégier les fonctionnalités qu'apporte le thème ou les éléments graphiques qui sont déjà disponibles ? Bah, ça dépend. Le fonctionnel, moi j'aime bien les sites, les thèmes de niche ou qui sont très très précis sur un besoin. Après, il y a des thèmes, ils sont bourrés d'options parce qu'on te les vend en disant bah tu vas pouvoir faire n'importe quel site avec. Donc ça, faut juste se poser la question. Est-ce qu'il y a des thèmes de niche qui vont me correspondre ? Parce que moi, ça se trouve, j'ai besoin d'une section d'actu, de pages, et puis éventuellement d'un custom post type pour faire un agenda. Est-ce que j'ai besoin d'avoir une usine à gaz, quoi ? Donc il y a des thèmes qui sont assez orientés, qui sont assez simples, qui n'ont pas beaucoup d'options. Et, ça dépend vraiment si c'est l'aspect graphique qui va primer ou si... Ou si vraiment on a un contenu très spécifique, et dans ce cas-là, il faut passer plus de temps à chercher quelque chose qui va bien le servir, quoi. Je pense. Merci. T'en prie. Alors, c'est juste pour compléter un petit truc pour par rapport au contenu. C'est pas une question, hein. C'est pour toutes les personnes que ça intéresserait, en fait, pour aller dans ton sens, hein, bien sûr, sur la notion de contenu et sur le mobile first. Il y a toute une réflexion aussi sur le thème et sur toute cette histoire de place du contenu aussi dans les thèmes. Et toute la réflexion vient de Brian Garner, qui est le fondateur de Genesis, pour tous ceux qui connaissent ce framework. Et c'est un site qui s'appelle No Sidebar. Et c'est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à toute cette évolution du web et de la place du contenu, du thème, etc. Donc voilà, c'était juste un petit apport. Okay. Alors, Mickaël, agence Pluriweb, je voulais te poser la question sur tout ce qui n'est pas graphique, justement, tout ce qui fait effet de transition, rollover, etc. Ouais. Qui, dans le workflow de production, doit déterminer, qui détermine les effets, qui les propose, qui les suggère et qui les valide ? Est-ce que c'est le graphiste qui doit proposer un écran de chaque effet de transition ou est-ce que c'est l'intégrateur ou... Ben justement, c'est une bonne question. C'est justement l'intérêt de faire une réunion avec tous les intervenants dès le départ. Parce qu'on va se dire, là, on veut présenter tel type de contenu et tout. Il y en a peut-être un qui va dire, ouais, ce serait sympa de le faire en Ajax ou de faire une transition CSS3 parce que j'ai découvert ça. Ça pèse pas lourd et c'est super, super pratique. Donc ça peut être le graphiste qui dit, bon, moi j'ai vu ça sur un site, je trouvais ça sympa comment ça se passait, mais ça peut être aussi l'intégrateur qui propose ça. Moi des fois je reçois des maquettes et j'ai strictement aucune information des effets de survol ou des effets de déroulé, j'ai juste les éléments, paf. Donc après je propose, je dis, bah là, voilà, vous voulez une opacité qui change quand on clique, et donc là c'est moi qui le propose, mais ça peut aussi venir du graphiste. Ouais. Et donc, voilà, équipe. Okay. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Clément et je suis freelance depuis peu de temps. Et jusqu'à maintenant, je travaillais avec des thèmes premium. Et genre, là, maintenant, je suis dans la phase où je me dis, voilà, plus jamais. C'est bien. Du coup, je voulais savoir si... Ouais. Merci. Et je voulais savoir avec quoi toi tu travaillais. Est-ce que tu créais directement tes thèmes ou est-ce que tu passais par Underscore ou Genesis ou autre chose? Je me suis fait un starter thème, en fait, au fil du temps. Avant, je faisais tout, je recommençais tout à zéro tout le temps. Et puis après, je me suis dit, bah, c'est un peu bête quand même. Donc j'ai créé un starter thème qui ressemble un peu à Underscore. Il y a vraiment la base, il y a les boucles. Et puis il y a mon framework CSS surtout. Moi, c'est surtout avec ça que je travaille. Une petite grille CSS et un reset des styles qui permet de démarrer super rapidement, en fait. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Voilà, en fait, moi j'ai parfois en tout cas des problèmes de responsive. Mmh. Et je voulais savoir s'il existait des plugins pour justement responsiver, on va dire. Responsiver ton site pendant que tu fais autre chose. Ouais, ok. pas à ma connaissance en tout cas. Non, c'est pour ça que je disais le responsive, c'est important d'y penser dès le départ, parce que même dans la structure même du HTML, on va faire les choses de telle ou telle manière en se disant, bah là, mon truc, je voudrais que bah, ça prenne un quart de la page, la moitié, et puis qu'après, ils disparaissent, quoi. Donc, non, je ne sais pas s'il y en a des plugins qui font ça. Je crois pas.
Ah, ils sont payants, ils doivent être chers alors. Bonjour, Jean-Marc, spécialiste Internet. Nous, c'est une société, on migre les entreprises vers le cloud, donc on s'est mis à WordPress il n'y a pas longtemps. Mmh. Ce n'est pas notre spécialité, on n'a pas de graphiste en interne. D'accord. Donc, en amont de votre présentation, que j'ai trouvé super, comment on fait ? Est-ce qu'on propose au client un thème à acheter ou on propose au client une prestation de graphique ? Quand c'est qu'on doit faire le choix et sur quelle base ? Vu que ce n'est pas notre spécialité, mais le client attend qu'on lui fournisse ce service. Je dirais. Ou est-ce qu'il faut systématiquement aller vers le graphiste ? Non, ça dépend. Moi, je sais que je ne vais jamais sur le thème payant parce que ça ne m'intéresse pas. Clairement, je suis graphiste, donc j'aime bien faire le design. Travailler sur le design de quelqu'un d'autre, c'est hors de question. Donc, personnellement, je ne le fais pas. Après, il y en a qui n'ont pas ce problème-là. Donc, après, ça peut être une question de budget, parce que souvent on dit, voilà, un design sur mesure, forcément, on va faire travailler un graphiste ou peut-être deux, etc. Ça va coûter un peu plus de sous. C'est vrai que ça peut être soit une question de budget, mais tu peux proposer les deux. Voilà, on peut vous faire un truc sur mesure, ça coûte tant avec tel graphiste. Sinon, on peut acheter un thème qui coûte tant, et si vous voulez customiser deux, trois trucs, c'est tant de jours, et puis ça fera tant. Parce que voilà. Puis après, sinon, c'est une éthique personnelle, quoi. Voilà. Dernière question. Merci. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Charlie, je travaille sur WordPress depuis 2004-2005. Je vois le web évoluer. Je vois pas. Ah oui, voilà. Pardon. Je vois le web évoluer très vite et il change régulièrement de mode. Au niveau du design, on voit apparaître depuis quelques années beaucoup de visuels en full screen sur les sites internet, ce qui nous amène à une problématique qui est le poids des images. Ouais. Moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on a un poids maximum à vraiment vraiment éviter si on veut faire un web design, du moins un site assez fluide, quoi. Y a pas vraiment de poids maximum, mais enfin, le plus léger ce sera, le mieux ce sera. C'est vrai que si tu as une grande image, forcément ça va approcher les 1 méga si tu veux un truc de super, super dense. S'il n'y a que ça sur la page, ça va. Si en dessous tu as des galeries de vignettes, etc., ça va plus. Ou alors après, il y a aussi plein d'outils pour vraiment optimiser ces photos, ces images. Tu peux déjà gagner vachement de poids avec ça. Mais après, il faut tester. Il y a des outils de test de performance pour voir à peu près le poids de la page, combien de temps elle met pour arriver, et tous ces trucs-là. Mais c'est vrai qu'il faut y penser. Si on a un truc chargé en images, on va aller peser chaque image, voir comment on peut les optimiser au maximum. Et puis si vraiment c'est trop... Parce qu'il faut penser aux petites connexions, etc. À la campagne, les gens, quand ils ont un méga, c'est la fête. Hein. Donc, c'est sûr qu'en ville, c'est easy. Hein, tu peux balancer une page de 8 mégas, ça se charge tout de suite, mais ça ne sera pas le cas chez tout le monde. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention à ça. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de maximum, parce que quand tu as la fibre, tu t'en fous. Quoi. Donc, voilà. De rien, merci. Merci beaucoup, Thomas.